Salut les gens, c'est Jam Collector et aujourd'hui unboxing Stuff Box baby, let's go! Aujourd'hui, donc on se retrouve pour un unboxing spécial Stuffbox, spécial vilaine fille. Et moi j'ai choisi l'option Double Pop, yeah, Double Pleasure for you and for me. Yeah. Donc voilà, j'arrête avec les bêtises. Donc voilà, c'était la spéciale Double Pop. Donc j'espère que les pops dedans seront très 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 sympas. C'est qui Stuffbox? Stuffbox, c'est français. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, 2 ans à nous faire plaisir. Donc voilà, c'est parti pour ce mois spécial vilaine. Mois prochain, thématique Doctor Strange avec la sortie du film. Donc commandez-la parce que je pense qu'elle va être très 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 sympa. Voilà, allez, let's go pour le déballage. Et bien sûr, la boîte est très simple. Voilà, Stuffbox de partout au cas où tu oublies qui c'est qui te l'envoie. Avec une ouverture facile, comme ça. Voilà, c'était super. Et je vais vous montrer, bien sûr, le contenu. Voilà. Est-ce que ça te plaît, ce que tu vois? La nifflette est tombée, ça fait pas grave. Au moins, ça vous permettra de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, hop. La nifflette. Bonjour. Dégage. Allez, c'est parti. Le papier bulle, très sympa. Oula, il y a un grand truc. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord, donc vous avez rien vu de ce qu'il y avait dedans, donc c'est à cause de Wonder Woman. On va dire c'est la fille la plus charismatique et la plus forte des fichiers DC. Mais c'est vrai que celle-là d'actrice en rôle de Wonder Woman, j'en attends beaucoup parce que c'est vrai que charismatiquement, Wonder Woman, c'est quelqu'un de balèze et physiquement, l'actrice qu'ils ont choisi, elle est un peu plus mince. Que l'actrice, quoi, que l'héroïne on a dans les BD. Voilà, donc c'est pas mal. On commence avec un joli poster. Les pops sont là, le t-shirt est là. J'aime goulet que oh, des bonbons. Ah, des carambars, excellent. Alors, on a le goût framboise et le goût citron. Ouais, c'est ça, c'est marqué dessus. Au cas où, hein, voilà, ils sont là pour double plaisir, bébé. Voilà, on va commencer avec le framboise. Hop. Bien, bien. Jam Collector est un gourmand. Yeah. Il adore les bonbons. Et il est chaud, Capic. Ah, ouais. Voilà. Hop. La chouette. Les pop avant les. Je vais essayer d'ouvrir avant les le t-shirt. Oh, yes! Oh! Wonderful. La Bubblehead Pocket Pop de Spider-Gwen. Ah là là, vous êtes gavé. J'ai bien joué cette box. Ah, elle est au top. Ah. Elle est tellement jolie. La Spider-Gwen. Voilà. On va pas trop l'abîmer, on va pousser derrière. Voilà. J'espère que vous la voyez. Elle est très très belle. Au top, bien joué cette box. Allez, hop. Parti pour la suite. Il y a plein de trucs. Bon, on va en prendre une pop déjà pour commencer. Ça va faire de la place. Ah, Supergirl. En fait, je disais que des bêtises depuis tout à l'heure. C'est pas des vilaines, c'est des héroïnes. Ça fait plaisir. Ah, c'est excellent. Au top. Donc voilà, je le monte de côté, hop, ensuite derrière, ce qu'on peut avoir aussi dans la collection Pop Heroes de DC Comics, toujours, donc on est vraiment sur la thématique DC en fait, voilà, donc on a Firestorm, Black Manta, Supergirl, Power Girl et Cyborg, d'accord, ok, super, donc je vais vous montrer ça de plus près tout à l'heure, regardez comme elle est jolie.
une autre leaflette. Bon, on va pas regarder pour pas se spoiler, mais bizarrement il y en a deux. Tout à l'heure j'ai fait tomber, je regarderai après, on regardera ensemble. Voilà, donc ça c'est la deuxième pop et c'est yes Wonder Woman de la série Batman et Superman, celle qu'on a dans le film. Pareil, oh là là, gavage, superbe. En fait c'était des héroïnes, hein. C'était vraiment des gentilles filles, c'est pas des méchantes. Donc voilà, j'ai dit que des bêtises, donc voilà, vraiment vraiment sympa. Vous êtes gavés cette pop, franchement joli, 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 je les ai pas. Donc ça fait vraiment plaisir de les avoir. Parce qu'on pense pas vraiment à acheter des pop filles, nous les garçons. Voilà, donc ça c'est cool de les recevoir dans ces box. C'est pour ça qu'on s'abonne. Voilà, recevoir des box, des pop qu'on ne pense pas acheter particulièrement. Voilà, donc toute la collection derrière. Et je pense que dans cette collection, je pense me prendre, moi perso, le Aquaman et peut-être le Superman parce qu'ils sont très 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 belles. Genre Superman en fait. Yarrive. Voilà. Donc ça fait deux pop, le kitchen, des bonbons, la carte. Maintenant nous allons passer au masterpiece. Je regarde pour pas me spoiler le thème. Même si je sais que ça va être une fille. Ou des filles, je sais pas. De toute façon, c'est toujours de très bonne qualité les t-shirts Chai Tech. Voilà. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est pas beau? C'est parti. Oh yes, il est énorme. Ma petite Harley, elle est trop belle. Et franchement, là je suis très, je sais pas pourquoi, je suis très content. Voilà, franchement vous êtes gavés. Elle est trop belle, elle est trop belle. Voilà, avec le sourire à $1 million qu'on lui connaît. Voilà, son air sadique. C'est juste au top, franchement bravo, bravo, bravo. Let's go to the recap. Allez, donc on est parti pour ce récap spécial héroïne de la part de Stuffbox, donc pour ce mois de septembre. Donc avec plein de choses où il y a des jolies filles dedans, ça fait plaisir, donc pour 39,90. Donc on se retrouve avec une box où j'ai choisi l'option, n'oublions pas, double pop. Donc voilà, on commence avec ce magnifique t-shirt de la part de Donnie, avec un superbe design de notre jolie et phénoménale Harley Quinn. Bon là, malheureusement avec le soleil, ça a teint sur le orange, mais je pense que ce serait plus vers le rouge. Ne vous inquiétez pas, donc je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, il était plus joli. Donc voilà, allez, ensuite on a la lithographie donc de Wonder Woman. Ensuite la première pop Wonder Woman aussi du film Batman et Superman. Ensuite on a Supergirl. Et pour finir, la petite Kitchen de notre amie Gwen. Voilà, Spider Gwen. Donc voilà, donc ça fait 5 produits plus les deux petits bonbons. Ça fait toujours plaisir car nous sommes des gourmands, nous les geeks. Et nous aimons ça, les bonbons, les sucreries. Et voilà, donc dites-moi ce que vous avez aimé. Si vous l'avez aimé, donc par rapport au prix, moi je la trouve, je vous dis, très 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 bien. Donc 40€, c'est ça quoi. Elle les vaut largement. Donc j'en suis très content, surtout parce que on va dire que la plupart du temps, quand on paye une box, on a des goodies qui font le prix. Mais on va dire que les goodies en eux-mêmes ne nous satisfont pas. Donc là, ça me satisfait amplement. J'en suis donc très très content car c'est des objets que je n'aurais pas acheté à première vue. Mais là, ça fait plaisir de les avoir quand on les a. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu de la part de Stuffbox édition Girly Girly. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On partage la vidéo, on met le petit pouce bleu car ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, abonne-toi, copain.